Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode du Noël des barbus. Avant de vous présenter la chose que j'ai à vous donner, j'aimerais remercier d'abord Stéphane Martin qui m'a envoyé un morceau de bois. Merci. J'aimerais remercier aussi Marc pour son gentil mot. Il reste encore des autocollants de la grotte du barbu. J'en ai aussi quelques-uns de la crotte du barbu. J'aimerais remercier aussi l'ami Torvast, qui m'a fait un joli cadeau, que j'ai sur ma liste Amazon. Merci Torvast. Dernière chose, attends, je vais enlever mon chapeau magique. Dernière chose, l'ami Damien Hertz, à qui je devais envoyer mon OnePlus, ne s'est toujours pas manifesté. Donc, si d'ici dimanche, ou lundi, il se manifeste pas, c'est à Yann Galis que je vais l'envoyer, le petit gars qui veut développer des applis sous Android. Damien, envoie-moi un mail. Si vous avez vu le dernier mini-épisode, j'ai vectorisé un de mes dessins. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais pouvoir le découper avec ma découpeuse vinyle. Et je me suis aperçu qu'en fait, ma découpeuse vinyle, elle n'avait plus du tout ni avec mon ordi, ni avec mes softs. Donc, je la donne à quelqu'un. Qu'est-ce que c'est? C'est une Craft Robot CC300-20. Je l'ai achetée il y a quelques années. Elle marche encore. Hein. Qu'est-ce que c'est? C'est une découpeuse vinyle. Donc, en gros, elle va utiliser des petits couteaux. Je vais vous montrer ici. Voilà, ok. Le truc plutôt malin, c'est qu'en fait, c'est des petits capuchons que vous changez. Donc, il y a trois couleurs. Pour varier l'épaisseur de la découpe. Donc vous avez 0,1 mm, 0,2 mm, 0,3 mm. Ça prend du papier A4. Il me reste encore peut-être un élément de transport. J'ai l'alime que j'ai racheté, une alime 24 volts. J'ai des lames de rechange. J'ai un papier de transport. Et voilà. Pourquoi est-ce que je la donne? Je la donne, un, parce que elle marche encore. Et pour pouvoir la faire marcher avec mon ordi, il faudrait que je désinstalle, que je réinstalle plein de trucs, honnêtement. Ça me pète les noyaux, et c'est la bonne occasion pour moi de la donner et de me racheter dans les mois qui viennent une découpeuse vinyle un tout petit peu plus récente et un tout petit peu plus grande. Celle-là, je l'avais achetée il y a quoi, 6-7 ans au moins. Je l'avais achetée 120 balles. Alors ce modèle-là n'existe plus, malheureusement. C'était un modèle qui était destiné, entre guillemets, aux femmes au foyer. Aux États-Unis pour faire du scrapbooking et plein de trucs dans ce genre-là. Ça n'empêche, j'ai fait énormément de choses avec. J'ai fait des autocollants, j'ai fait des caches, j'ai découpé du papier, enfin, ça peut découper énormément de choses. C'est le genre d'outil qui est vraiment génial à avoir et qui permet vraiment de faire énormément de choses. J'ai essayé, alors il y a une carte SD, vous avez le port USB et la lime. J'ai essayé de trouver des softs qui permettaient de transférer mes dessins sous Illustrator CC en point job pour cette découpeuse vinyle, j'ai pas trouvé. Donc en gros, c'est... je sais plus, il y a les specs, je vous mettrai les liens, enfin, à celui qui le gagnera, je lui enverrai les liens, etc. Peut-être même, je mettrai dedans un ou deux ustensiles, et peut-être une ou deux feuilles de vinyle qui me restent. Mais en tout cas, j'aimerais que ça aille dans une bonne maison, quelqu'un qui en aura l'utilité. Vous pouvez faire des pochoirs, enfin bref, il y a énormément de choses à faire avec. Et moi, j'en ai pas l'utilité, donc et j'ai pas le temps d'aller bricoler ça pour que ça marche. Donc, je la donne à un gentil ou à une gentille barbu. La seule condition, alors c'est un peu volumineux, ça pourrait rentrer dans un carton, mais honnêtement, ça va me coûter 25 balles de frais de port. Donc, c'est à venir chercher à la maison. Donc si vous êtes en région parisienne, où vous avez la possibilité de venir à Massy dans l'Essonne, venir le chercher chez moi, vous pouvez participer. Pour comment participer? Rien de plus simple, je vais pas mettre un lien vers le machin Glim ou un truc comme ça. Dans le dernier Noël des Barbus, quelqu'un m'a filé un lien pour justement aller choisir dans un truc un commentaire, ce qui est plutôt une bonne idée. Le principe est relativement simple, vous laissez un petit commentaire, vous expliquez pourquoi est-ce que vous voulez cette précieuse machine, j'en prendrai un en random, et c'est lui qui gagnera ça. C'est ma façon de remercier, on me fait des cadeaux, je fais des cadeaux, voilà, tout le monde se fait des cadeaux, c'est très très bien, tout le monde se fait des bisous, c'est génial. Je continue mon rangement,
qui n'est pas complètement fini, bien sûr. Je ne sais pas si vous avez suivi sur Instagram et même sur, sur un mini-épisode, mais je me suis acheté une table à dessin. Ça, c'est génial. Et bien sûr, je continue mon rangement. Donc, il y aura d'autres choses à gagner très, très bientôt. Que dire de plus ? Pas grand-chose. Merci à tous ceux qui m'envoient des petits mots, qui me laissent des commentaires, etc., etc. Je vais essayer aussi de trouver un moyen de répondre aux commentaires beaucoup plus, de façon beaucoup plus régulière, ou en tout cas de façon moins pas régulière. Comme d'habitude, tu as des questions, des insultes, tu as envie de participer à ce pseudo-concours et gagner ma découpeuse vinyle, ouh, tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Tu peux bien sûr laisser un commentaire, évidemment, tu t'abonnes. Tu peux aussi, comme Bugsbyte, aller cliquer sur le lien Utip qui est dans la description, aller regarder une petite vidéo, une petite publicité, ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pépette et nous permettre de te proposer des épisodes encore plus géniaux. Voilà, c'est tout pour cet épisode du Noël des Barbus. Bientôt, d'autres choses à gagner. Mais aujourd'hui, c'est ma découpeuse vinyle qui m'a bien servi. Et honnêtement, c'est un truc génial à avoir chez soi. Voilà, voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Bonne chance à tous. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude saute avec vous.